Salam alaikum Mazoul Flaoun, bonjour. L'adaptabilité de l'être humain nous étonnera toujours. Ses capacités à pouvoir s'habituer à tous les environnements, toutes les températures et un peu à toutes les situations, quelles qu'elles soient, procèdent de sa formidable résistance à l'adversité, de sa volonté de survivre et de prospérer dans les conditions les plus hostiles. Mais cette adaptabilité n'a pas que du bon, parce que l'être humain s'habitue aussi aux situations les plus excessives, les plus anormales, les plus choquantes, lorsqu'elles persistent, un peu comme une sangsue qui s'accroche à la gorge de l'animal dont elle suce le sang et qui finit par s'y habituer, par trouver, par ne plus la sentir comme si de rien n'était. C'est le cas en Algérie. Les gens qui dirigent ce pays se sont livrés à de telles prédations, transgressés tant de codes, outrepassés tant de règles, violés tant de lois et dépassés allègrement toutes les limites de tout ce qui régit et règle la vie en société, que l'abus, l'excès en tout genre ne choque plus. Plus du tout, aucune turpitude ne nous a été épargnée pourtant. Mais on est désormais vacciné. On ne sent plus rien. La sangsue est bien là. Mais c'est comme si de rien n'était. Les fiscalistes disent souvent que trop d'impôts tuent l'impôt. Ceci est valable pour tout, en fait. Il en est de même pour les scandales. Trop de scandales tuent le scandale. En ce sens qu'ils le normalisent quelque part, que les déprédations, les mensonges d'État, la fraude électorale, le détournement de fonds, la grande corruption et toutes les abjections possibles et imaginables deviennent des pratiques sociales quasi normales, qui non seulement ne sont plus passibles des tribunaux, puisqu'elles se font en plein jour, mais qui en plus deviennent le premier critère de la réussite sociale et l'apanage aristocratique de ceux qui tiennent le haut du pavé social. Cela s'est tellement banalisé qu'il est devenu quasi licite d'aller faire une omra ou un hajj avec l'argent de la corruption. Demandez à Roul, à Marroul, et il vous dira « normal ». Et il sent des foules de gens comme lui, « normal ». Au point où, à Tbessa, on ne dit plus « Chipa » ni « El Gass », on dit « L'Hnana ». C'est cela, c'est cet état d'esprit, cette ambiance généralisée de récréation qui a accompagné toute l'affaire Khalifa. Une sorte de procès colonie de vacances, si des hommes, des sous-fifres, ne pourrissaient pas en prison. Les gens se sont tellement adaptés à la rapine systématique et systémique qui a distingué cette affaire, qu'ils ont fini par tout trouver normal. Qu'un tout petit pharmacien soit érigé en un battement de cils, grand golden boy, grand investisseur, grand avionneur, grand banquier, patron d'une chaîne de télé et de dizaines d'autres entreprises avec de l'argent public, de façon tout à fait informelle, comme quand on va au souk du village. Cela n'a surpris, ni encore moins choqué, personne. Que du jour au lendemain, il crée sa compagnie aérienne, que celle-ci supplante Air Algérie, qu'elle se dote de plusieurs dizaines d'avions flambant neufs, achetés ou affrétés, a été perçu comme s'il avait acheté une mobilette. Les seuls articles parus à l'époque dans la presse étaient plutôt des reportages publicitaires. Personne ne pigeait ce qui se passait, puisque les patrons de presse étaient devenus les chouchous de Khalifa, qu'ils empochaient de grosses enveloppes et qu'ils voyageaient partout, aux frais de la princesse.
tout, Beni donc pour Khalifa. Il est reçu en grande pompe par tout le gratin politique, Bouteflika en tête. En Europe, il devient une star de la jet set, fêté partout comme l'enfant prodige algérien. Il devient une sorte d'ambassadeur en toque doré du régime. Son succès le grise. Il ne connaît plus de limite à sa mégalomanie. Bouteflika commence à le lorgner de travers. Il lui fait de l'ombre. Mais Khalifa ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le faucon qui trône sur les appareils de sa compagnie aérienne et qui plane très haut ne va pas atterrir de si tôt. Et pour si peu, l'argent pleut par trombes entières. Et paf ! Khalifa crée sa banque. Une banque sortie tout droit de la lampe d'Aladin. Tout le monde savait d'où venait l'argent, puisque les dirigeants du pays, au plus haut sommet de l'État, avaient demandé gentiment aux entreprises publiques de sortir l'argent de leur société des banques publiques pour le mettre à Khalifa Bank. Même l'argent de la sécurité sociale, même celui des retraités, en passant par celui de presque toutes les sociétés nationales, y compris son attraque, était venu grossir le trésor de Khalifa Baba. Et là aussi, personne n'a bronché. Pire encore, attiré comme des abeilles par les forts taux d'intérêt proposés par cette nouvelle banque privée, les gens se bousculaient à ses guichets pour y déposer leurs maigres économies. Une ruche dont le miel était juste virtuel. Mais ce fut la curée aussi. Les ministres, les responsables politiques, syndicaux, médiatiques, les PDG, les Wali, les chefs de parti, les députés, les patrons du FLN, du RND, du MSP, souvent accompagnés de la Smala, de leurs mioches et de leurs bobonnes, passaient tous à Paris prendre leur enveloppe en devise et leurs billets d'avion pour des destinations de rêve, tout frais payé par Khalifa. Des fils et des filles à papa passaient dans les antennes du Golden Boy un peu partout dans le monde, prendre le Masrouf, qui se chiffrait parfois en véritable fortune. Mais ces piques-assiettes ne sont pas seuls, n'étaient pas seuls. Les frères de Bouteflika se font offrir des logements à Paris. Des généraux parmi les plus influents se servent aussi. Tout le gratin passe à table. Mais Khalifa n'en finit pas d'engranger des masses d'argent. Il passe son temps à colmater les brèches, les grands trous qui ont été creusés par les barons du régime, qui veulent tous leur part. C'est une véritable hémorragie. Mais la situation financière alarmante de sa compagnie aérienne et de sa banque ne l'inquiète pas outre mesure. C'est un flambeur. Le tout, pense-t-il, est que les dépôts soient plus importants que les saignées. Et c'est le cas. Il lance une chaîne de télévision. Et là, ce fut l'erreur de trop. La France décide de le dégommer et envoie un message clair à Bouteflika. Celui-ci, qui était déjà agacé par le succès du flambeur, lui envoie un message sans ambiguïté. Il ne veut pas de cette chaîne de télé. Mais Abdelmoumen passe outre et décide de lancer Khalifa TV depuis Londres. Son arrêt de mort est signé. Tout aussitôt, la même machine qui a fait de lui une star mondiale lui passe sur le corps en moins de temps qu'il n'aurait fallu pour démonter une épicerie. Toutes ces entreprises sont mises en faillite. La machine judiciaire est lancée en France, en Algérie, un peu partout. Un premier procès à Alger montre de quelle façon l'affaire allait être traitée. Le liquidateur, désigné par la justice, commence par brûler une cinquantaine de cartons d'archives. Tous les documents qui auraient pu inquiéter les principaux barons du régime. Les frères Bouteflika en tête, des lampistes et copes, bien sûr. Abdelmoumen Khalifa est laminé, jeté en prison en Angleterre jusqu'à son extradition vers l'Algérie. Le faucon a craché. Mais Khalifa a compris sa douleur. On voit bien qu'il a passé un deal avec les boss. En échange de son silence, puisqu'il ne dit rien dans son procès, il va écoper d'une peine légère, peut-être même va-t-on fermer les yeux sur quelques réserves d'argent qui ont été planquées quelque part bien à l'abri. Les lampistes seront là pour écoper, pour être livrés en pâture
à l'opinion publique. Mais Khalifa aurait averti, si jamais la condamnation ne lui convient pas, il fera appel et là, il déballe. C'est comme ça que ça se profile. Aujourd'hui. Maghreb émergent. Procès de l'affaire Khalifa, tout le monde était au courant des retraits illicites d'argent par Salman Rasmi. Al-Watan. Procès Khalifa quand les accusés sont considérés comme des victimes par Mohamed Benzarga. Al-Nahar. Procès de l'affaire Khalifa, audition des témoins au tribunal de Blida par M. Oudina. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Maître Nourdine Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme à Al-Rouat, Mustapha Mazouzi, journaliste Tizi Ouzou, et Maître Jamel Benioub, avocat et membre du RCD Bjaïa. Je vais commencer par recevoir Maître Jamel Benioub. Merci d'être avec nous, si Jamel. Oui, Jamel, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les échos qui vous sont parvenus sur ce procès? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce procès et sur l'affaire Khalifa d'une façon générale? Merci pour la question et merci pour l'émission. Merci. Et pour votre invitation. Bon, parlons sur l'affaire Khalifa. Alors, je pense عندما يسمع الشعب الجزائري فيما يخص هذه القضية وأنها تم إحالتها على المحكمة وإحالة المتهم الرئيسي وهو السيد عبد المؤمن خليفة. السؤال المطروح: السيد مؤمن عبد خليفة قبل أن يغادر أرض الوطن والكل يعلم بأن القضية تبك، يعني راهي مطروحة بأن هناك قضايا فساد، قضية متعلقة سواء في شركة الطيران، قضية متعلقة بالبنك، ولكن مؤمن عبد الخليفة لم يخرج لا على البحر ولا ما راحش كما يقول ما حرقش، ولكن الآن يتم في محاكمة في محكمة البليداء على أساس أنه هو المسؤول الأول عن قضية الفساد، ولكن نحن نتكلم يعني من حيث الرؤية السياسية لهذه القضية التي راهي متعلقة مباشرة بالنظام السياسي القائم في البلد. السيستام بوليتيك لا راه مسؤول. عندما نشاهد ونسمع في محكمة الجنايات أشخاص يؤكدون ويصرحون بأنهم قاموا بالتزوير وثائق، تزوير وثائق. Ils ont fait. Vous parlez de Sidi Saïd. Maître Benio, vous parlez de Sidi Saïd qui a reconnu. وهو يعني أكدها بعظمة لسانه أمام المحكمة وقام بإيداع الملايير من يعني مال العام، مال تاع الخدامين، وهذا الشخص مازال لم يسأل من طرف المحكمة الجزائرية. عندما نلاحظ كذلك مسؤولين وما زالوا حتى الآن وزراء مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية والأسماء تاعهم، هناك أشخاص وهناك شهود وهناك متهمين، ما تم ذكر هذا الأشخاص ولم يتم إحالتهم على المحكمة ولم يتم مساعدتهم. على هذا الأساس نقول الآن لا يجب أن نقول إن كانت هناك محاكمة عادلة بالنسبة للأشخاص الآن الماثلين أمام المحكمة. نحن السؤال الواجب طرحه: لماذا الأشخاص المذكورين في قضية الفساد يعني وهم مرتبطين ولهم علاقة مباشرة بهذه القضية لم يتم أمام المحكمة؟ هذا النظام نظام، أنا أقول وأؤكد يعني وراني كما يقول مسؤول عن كلامي، راه نظام كما يقول لدعم الأشخاص المفسدين، لأن عندما نلقى مسؤول يعني يتباهى بأنه له علاقة في الفساد ولا يسأل، هذا هو مشكلة. Maître Benioub, merci, restez avec nous. Maître Ahmin, merci d'être avec nous encore une fois.
Merci à vous, merci pour votre invitation. Donc bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous en prie, allez-y. Bon, est-ce que c'est la même question? Je continue ou vous avez une autre question à poser? Oui, allez-y, je vous en prie. Bon, d'accord. Donc, en plus de ce qu'a dit mon confrère de Pizouzou, j'ajoute ceci. Je considère que ce procès est, comme on dit en arabe, comme j'ai entendu aussi dans votre introduction, c'est le cas. Il y a eu certainement un deal, parce que même la manière dont le procès est géré, je dirais, et administré, je dirais que ça va vers vraiment, parce que c'est devenu un procès presque insignifiant. Même l'opinion publique ne suit pas ce procès comme par exemple celui de Chenier Mjdoub ou les autres procès de corruption. Malgré son importance, un empire, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, comment s'est-il en une année, d'ailleurs, en 1998, il a lancé sa banque avec un prêt de la BDL de 950 milliards de dinars. Entendez, c'est incroyable. Ça veut dire 5 000 milliards. 950 milliards de dinars. Oui, ça veut dire 5 000 milliards de centimes. 5 000 milliards de centimes. Ouais. Une banque primaire qui donne un préparage pour lancer une autre banque concurrente. C'est incroyable. C'est-à-dire une banque primaire, c'est elle qui crée une autre banque primaire. C'est incroyable. D'accord. À la limite, on peut dire que, les choses ont été faites depuis deux mois selon les règles de, administration judiciaire. Même pas une année après, il lance sa campagne aérienne. Oui. Il lance une compagnie aérienne avec 30 avions. Oui. 30 avions. C'est-à-dire même un État, beaucoup d'États actuellement dans le monde ne peuvent pas permettre d'acheter d'un seul coup ce nombre d'avions. Malgré ça, on trouve que c'est normal. Alors qu'un simple citoyen, si par exemple il se lance dans une activité ou je ne sais pas quoi, tous les services sont derrière lui pour le surveiller, pour le suivre. Maître Ahmed. Alors que tout cela, ça n'attire pas l'attention des uns et des autres, mieux encore, on devient complice de cette situation. Maître Ahmed, est-ce que vous m'entendez? Maître Ahmed, il ne fait aucun doute dans l'esprit de tous les Algériens qu'il y a eu une grosse complicité, que le régime a ordonné aux banques privées, aux sociétés nationales, de mettre de l'argent public dans la banque, d'aider par tous moyens Abdelmoumen Khalifa dans toutes ses entreprises. Et il ne fait aucun doute que les généraux, les ministres, la fratrie de Bouteflika, ses propres frères, ont tous mangé, ont tous profité. Or, moi, la question que j'aimerais vous poser... récemment, le ministre de la Justice a ordonné au parquet de s'autosaisir s'il constate qu'il y a un crime qui n'a pas été porté à leur connaissance. Or, tout le monde sait que les généraux ont bouffé, que les ministres ont bouffé, que les frères de Bouteflika ont bouffé. Alors ma question, pourquoi le parquet ne s'autosaisit-il pas pour inculper ces gens ? Je crois que la réponse est claire. C'est uniquement de la démagogie. Ce n'est pas vrai, parce que le parquet, même auparavant, pouvait s'autosaisir. Il n'avait pas à attendre le ministre de la Justice pour le faire. Mais c'était clair, même la justice, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, a écarté un bon nombre de gens qui ont participé à cette dilapidation en marque de biens des Algériens, à commencer par le ministre des Finances de l'époque, la Banque centrale qui avait tous les moyens de contrôler, elle devait contrôler,
régulièrement, tous les responsables sont compris sur la situation. Aussi, les gens qu'on a cités, les Saïd, Abou Djamal, les consorts, tous ces gens-là sont actifs de poursuivre. Il y a qui demandait pourquoi. Pourquoi parler de données maintenant, alors que les choses sont claires, alors que les gens qui sont de la situation sont déjà identifiés. Donc, ce n'est que de la démagogie pour moi. Le maître Amin, à votre avis, restez avec nous, maître Amin. Nous allons poser la question à maître Jamal Benio. Est-ce que vous êtes avec nous, maître? Oui, je suis comme Akhi Jamal. Oui. Il y a un souhait, il y a un من وكلاء الجمهورية أو نواب العامين يعني حق الإخطار ذاتي بمجرد أن تكون هناك جريمة مثلا ونحن على المباشر قلناها على المباشر عندما نسمع أشخاص يعني اعترفوا باختلاطهم لجرائم الشخص الذي يقول ويؤكد بأنه قام بالتوقيع إلى هذا التزوير العامة لم تتحرك. الآن عندما نسمع داخل جلسة المحاكمة القاضي المكلف برئاسة محكمة الجنايات وهو يطلب كذلك سواء من الشهود أو يطلب كذلك من المتهمين عدم الخوف والإدلاء، أين هو تحقيق القضائي؟ أين هو استقلال العدالة؟ نحن نطالب بس تكون هناك عدالة مستقلة. عندما تكون عدالة مستقلة هناك يكون الأمل بس تكون هناك محاكمة عادلة. الآن السؤال المطروح، لماذا الأشخاص المتهمين والمتورطين في هذه القضية الكبيرة، قضية الفساد، لأنها هي قضية متعلقة بملايير وملايير من الدولارات، أين هم المسؤولين؟ أين هم المسؤولين الذين قدموا الاعتماد بالنسبة للبنك؟ أين هم المسؤولين الذين قدموا الاعتماد بالنسبة لشركة الطيران؟ أين هي دور البنك الجزائري، علما أنها المبالغ المالية بالرجوع إلى قانون الصرف تاع الدولة الجزائرية يجب أن تقوم بإيداعها في البنك الجزائري؟ رغم ذلك لم تتم الإيداع. أين هو دور السلطات يعني منذ هذه كل الفترة هذه؟ على هذا الأساس نقول بأن في الجزائر اليوم رانا بعيدين كل البعد باش تكون هناك محاكمة عادلة باش نوصلوا للأشخاص المصورين. ماتخ جمال بنيوب دابخي فو كومون فا فينيغ سو بروسي دابخي فو كيف راح يكمل هذا الشرع؟ والله لم أسمع جيدا السؤال. كومون فا سو باسي سو بروسي كومون سا فا فينيغ؟ الآن لا يجب الانتظار كثيرا وكثيرا، ولا يجب كذلك الآن أن ننتظر الأشخاص، سواء الأشخاص اللي راهم متواجدين وراء القبضان أو راهم وراء الحبس أو كذلك المفرج عنهم. الآن هذه القضية سوف تكون هناك أحكام سواء بالبراءة، كما كانت هناك أحكام بالبراءة لقضيات طريق السيار شرق غرب، هناك أشخاص يعني تم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة كبيرة، حتى أنها هناك حبس تعسفي واستفادوا بالبراءة، وهو نفس الشيء في هذه القضية. لأن عندما نسمع الآن في هذه المحاكمة يعني أسئلة سواء من رئيس المحكمة عن مسائل جدة فيها بالنظر للمبالغ الكبيرة جدا المختلفة، عندما نسمع من أين اشتريت هذه السيارة، أو نسمع كلام عن كيفية كراء يعني الشقق إلى آخره. لذا فإننا أقول وأؤكدها بأننا ما زلنا رانا بعيدين. ميرسي ماتر جمال بنيوب، ميرسي. إن إسبيرون فو روتروفي أون أوتر فوا. فو نو كيتي. ماتر أحمين ريست أفيك نو بور لا deuxième partie de cette émission. Nous allons donc ouvrir le standard pour nos téléspectateurs. Maître Ahmin se fera un plaisir de répondre éventuellement à vos questions. À tout de suite.
السلام عليكم من جديد. Maître Ahmine, moi ce qui me choque le plus, ce n'est pas tant cette attitude du régime, de la justice. On a pris l'habitude, on s'est adapté à la donne, il n'y a aucun souci, on a pris l'habitude. Maintenant, on ne sent plus la censure. Le problème pour moi, c'est cette totale absence de réaction de la société civile. Ni les partis politiques, ni la presse, ni les intellectuels, ni, j'allais dire, ni même votre corporation, celle des avocats, ne réagit assez fortement à ces procès, à ces parodies de procès, celui de l'autoroute et celui-là. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas, vous n'avez pas cette impression, Maître Ahmine? Oui, je sais plutôt, ce n'est pas une impression, mais une constatation, ça c'est vrai. Seulement ça s'explique. Ce régime, depuis l'arrivée, bon, bien après, depuis pratiquement l'indépendance, sinon, 62, sinon même un peu avant, il y avait un régime qui s'est installé dans le parti, malheureusement, c'est pour justement museler la société. Et mais, depuis l'arrivée de Bouteflika, les choses sont à gâter beaucoup plus dans le sens de la mise en œuvre d'un système de destruction de la société dans tous ses rouages, dans tous ses ressorts, dans tout. Donc maintenant, et en utilisant ça, et comme je l'ai dit souvent, en utilisant les moyens de l'État, c'est-à-dire les moyens de l'État, c'est quoi? C'est tous ces services de sécurité, la finance publique, les moyens de l'État d'une manière générale, au service d'une politique de destruction de la société. Pour détruire la société, quoi? Il faut d'abord détruire l'école, par la suite, détruire la justice, détruire le semblant de système politique existant. Tout cela, maintenant, a donné ses prix, le régime, a réussi dans sa salle de zone, dans ce sens. C'est la pour laquelle, justement, il a touché à toutes les corporations, à tous les segments de la société. Je vous interromps, Maître Ahmine. Je vous interromps. Vous pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêté dans un petit moment. Nous allons prendre quelques appels. Ali d'Alger. Monsieur Bechenouf, bonsoir. Bonsoir, c'est Ali. Alain Bek. Monsieur Bechenouf, merci. Monsieur Bechenouf, je vais vous raconter, si vous me permettez, rapidement une petite histoire pleine d'allusions au sujet en question. Oui, je vous en prie. Jadis, dans un petit village, il y avait un groupe d'éleveurs qui partageait dans notre rive située en face de leur village. Soudain, une forte pluie s'abattit sur eux. Ils n'ont pas eu le temps de grouper leur cheptel, fuyant de tous les côtés. La rive d'Ouette se gonfla, la crue d'Ouette plutôt se gonfla, alors les éleveurs resteront coincés pendant quelques jours. Une vieille juive située dans l'autre rive, c'est-à-dire du village, leur conseilla d'attacher leurs burnouses l'un à l'autre et d'aller affronter ensemble la furie des eaux. Ce qu'ils firent. Pendant un moment, au milieu de la rive, leurs burnouses, imbibées d'eau, se gonflèrent, et ils ne peuvent pas affronter les eaux. Alors l'un d'eux s'affala dans l'ouette et ils furent tous entraînés dans l'eau boueuse. En Algérie, un jour ou l'autre, la crue d'ouette arrivera et tout ce beau monde devant la, la parabole est très claire. Merci, c'est Ali. Mana. Merci. Mana Mabrouk de Sétif. Mabrouk de Sétif. Monsieur Jamal Bechenouf, salam alaikum. Wa alaikum salam, Ahmadullah. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Mabrouk, tfadal. Allô? Oui, Mabrouk de City, vous êtes en direct. Je voulais juste, c'est-à-dire à propos du sujet d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire le procès Khalifa. Oui. Allô? Je vous en prie, poursuivez, on vous écoute. Allô? On vous écoute, vous êtes en direct. Allô, le procès Khalifa? Oui. Et je voulais juste dire que, d'ailleurs, la justice. Allô? Mabrouk, on vous écoute, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Je vous entends mal. Non, on vous entend, nous, on vous entend très bien. Allô? Je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. Il y a un problème, semble-t-il. Allô?
حسين من لندن. حسين. حسين de Londres. جمال. أنام. Vous m'entendez? Je vous entends, Hussein. تفضل. Oui, Jamal. Si Jamal, comme ça, vous invitez. Merci. Écoutez, monsieur Jamal, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe durant ce procès-là. Je ne suis pas juriste. Mais vous n'êtes pas le seul, hein? Mais je veux juste comprendre ce qui se passe là. Oui. Est-ce que vos invités peuvent nous expliquer, par exemple, est-ce qu'il y a un côté civil qui représente les victimes dans ce procès? Ou bien est-ce que c'est l'État qui conduit ce procès? Parce que c'est ce qui a été médiatisé jusqu'à maintenant, à travers Chourouch et d'autres chaînes télévisées, c'est des questions très simples qui posent autour des questions. Oui, en tout cas, Maître Amine a entendu votre question, il va y répondre. Je suis obligé de vous interrompre, je demande aux téléspectateurs d'abréger un peu pour pouvoir passer le maximum de gens. Ahmed d'Alger. Ahmed d'Alger. Salut Jamal. Khair, ahlan bek, salam alaykoum. Salut à vous invités, à vos collègues et à tous les chefs. Merci. C'est Jamal. Khalifa. Pour moi, c'est comme s'il s'agit de quelqu'un. C'est comme si... Anam. Anam. Est-ce ma fille, hein? L'autre. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? On vous écoute. On vous écoute. Poursuivez. Je vous salue tous. C'est comme s'il s'agit d'un homme qui a utilisé un couteau pour tuer ou pour agresser. Et voilà, on fait arrêter le couteau. Et on juge le couteau. C'est ça, Khalifa. Khalifa, j'imagine ça. Oui. C'est très clair. Merci, merci Ahmed d'Alger. Nous allons vers Maître Amine pour pouvoir répondre. L'un de nos téléspectateurs, Hussein de Londres, pose la question de savoir qui est victime vraiment de l'affaire Khalifa. Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Est-ce que c'est l'argent de l'État ou est-ce que ce sont les privés? Alors, on a affaire à un bon nombre de victimes dans cette affaire. Il y a l'État d'abord, bien sûr. Il y a différentes victimes qui ont déposé d'une manière le plus normalement du monde leur argent. Alors, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire une bande de malfaiteurs, une association de malfaiteurs. Donc, cela aussi sont des victimes. Donc, pour parler des victimes, il y en a tellement. Mais le problème, ben, vraiment, n'est pas là. Comment parce que là, quand les choses sont claires, quand il y a un vrai procès, quand il y a, je ne sais pas, tout a été clarifié au cours de l'instruction, au cours de différentes étapes de l'instruction, tout cela. Et vraiment, on a mis ça d'une manière sereine et sérieuse du tout pour aller à un objectif bien déterminé. Cet objectif, c'est-à-dire de déterminer les responsabilités des uns et des autres, quel que soit le rang de responsabilité. Du sommet de l'État, si le sommet est touché, jusqu'à dernière personne, dernier citoyen qui est concerné par, dernier justiciable qui est concerné par cette affaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le vrai problème, déjà, lui-même pose problème d'arriver à cet objectif. Dans la mesure où on ne travaille pas dans ce sens, dans le sens justement de faire éclater la vérité, dans ce sens le plus large. Ça ne sert à rien maintenant de parler de parti civil ou quelque chose de ce genre. Mais Maître Amine, vous en tant qu'avocat, est-ce que nous allons devoir rester comme ça, les bras croisés, à ne rien pouvoir faire? Est-ce qu'il n'y a pas un recours légal pour arrêter cette farce, pour contraindre la justice à faire son travail, à remplir sa mission? Je crois que l'ordre de priorité, nous sommes appelés à une mission beaucoup plus importante aujourd'hui, parce qu'il s'agit maintenant du système lui-même. Si on est devant cette situation, parce qu'on a un système qui fonctionne avec la corruption. C'est un système qui fonctionne. Voilà. Sans corruption, ce système ne pourra pas exister. Et donc notre travail maintenant, la tâche,
qu'il faut justement, il faut s'appeler à un véritable changement, à l'instauration d'un état de droit avec des institutions solides, avec des séparations des pouvoirs, avec une justice très forte. Voilà, sinon on ne sortira jamais. Maintenant, parce que eux, d'ailleurs, même ces différents procès, ils veulent, on a l'impression qu'ils veulent liquider ces procès, comme ça, pour s'en débarrasser, et aller vers, bien sûr, maintenant, parce que c'est la fin de ce régime, maintenant, d'un régime qui est vieillissant et tout, qu'il veut se régénérer, il veut justement liquider cette affaire de ces procès de corruption. Pour justement s'attaquer à d'autres choses. Donc, il est contraint de préparer, certainement, on entend de partir par là, que et c'est la fin des régimes. Donc, il faut bien créer quelque chose pour survivre et puis pour. Nous allons prendre quelques appels. Lies de Marseille. Oui, bonsoir tout le monde. Monsieur Deschenaux, bonsoir. Bonsoir, Lies. Allô? Allô, on vous écoute. Monsieur Bouchenot, voilà. On ne sait pas trop quoi penser de cette situation. Sincèrement, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Hier, on a assisté à soi-disant le procès de l'autoroute Est-Ouest, sans que le premier et le dernier responsable, le ministre, ne soit convoqué ni entendu. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on est en train d'assister à une mascarade aussi. C'est une mascarade. C'est une mascarade. On n'a pas de justice. On devrait l'appeler le ministère de l'injustice plutôt que de la justice. Merci. Merci. Mahmoud d'Alger. Est-ce que Mahmoud est avec nous? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Mahmoud. Allez-y, je vous en prie. Yani hadi l'hikaya ta' al-Khalifa. يعني الناس اللي حطت اللي خلقت الخليفة اللي حطاته يعني طلعت له الشان تاعه في ايام البحبوحة المالية. الو وي وي اون فوز ايكوت بورسيفي. نعم هما اللي يديروا في الفيلم هذا يعني الخليفة وصل لدرجة كبيرة ومن بعد حبسوا له داروا فيلم رجعوا الصوات تاع الخليفة سرقوا الشيء اللي سرقوا وهم اليوم في هذا المسلسل اللي نشوفوا فيه يحاسبوا فيه انا نظن باللي هذه المحكمة هي مجرد فيلم. يعني السلطة قاعدة تدير فيلم يعني الأموال تاع الخليفة ما شفناهاش أصلا ملايير ممليرة ما ظهرتش بارك الله فيك ميرسي محمود حسن دوغان نبيل دو جيجل بونسوار مسيو جمال بونسوار نبيل ميرسي à votre émission adorable ميرسي بوكو je vous en prie encore une fois j'ai une question à poser à votre invité oui je vous en prie pourquoi la justice algérienne ne fait pas des démarches nécessaires pour arrêter ou accuser plusieurs ministres dans plusieurs affaires. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Maître Ahmine, j'aimerais vous poser une question. Votre corporation, celle des avocats, qui est au cœur de la justice, qui est vraiment une partie prenante, elle est partie prenante de tout ce qui se fait. Est-ce qu'elle se suffira encore longtemps de jeter des cris d'orfraie, excusez-moi, de dénoncer, de dire que c'est tout le système qu'il faut changer, que la justice procède d'un système, qu'on n'y peut rien. Les avocats, de leur côté, est-ce qu'ils ne peuvent pas mener une action, une vraie action, entrer en guerre contre ces magistrats corrompus, essayer de dénoncer, appeler la société algérienne à l'épauler, à la soutenir? Est-ce que votre corporation ne peut rien? Si Jamel dit, j'aurais bien aimé, c'est mon souhait, mais malheureusement les choses sont ce qu'elles sont. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Malheureusement, notre corporation, elle n'est pas du tout impliquée dans ce genre d'affaires en tant que corporation d'avocats, ou alors que nous avons une énorme possibilité de faire bouger. Il n'y a pas une mobilisation de la part de manière générale, de la corporation en particulier. Les corporations s'occupent beaucoup plus d'autres choses que les côtés politiques des choses. Comme si elles ne sont pas, comme si elles n'est pas plutôt
concernés par la situation de l'Algérie. Malheureusement, c'est un constat amer. Nous allons encore prendre des appels, Maître Amin. Souad de France. Oui, bonjour. Bonjour, Souad. Voilà, donc moi, la question que je pose à votre invité, comme il est juriste, il est avocat, oui. Il se trouve à Alger, c'est ça, il se trouve en Algérie ? Oui, oui, il est en Algérie, il est voilà, à l'Europe. Voilà, la question que je lui pose, moi, franchement, je suis quand même sidérée. Le fait, enfin, il n'est pas sans savoir que le système en lui-même, on n'a ni système, on n'a pas... c'est un clan qui gouverne depuis 62. Et puis aujourd'hui, on parle de simulacre, on parle de... Les magistrats sont nommés par décret... par l'exécutif, on n'a pas d'exécutif, et les avocats quand même, ils ont un rôle à jouer, bonté divine. Voilà, c'est la question que je viens de poser à Maître Amin, nous la reposerons encore une fois. Merci, Souad. Yassine de Londres. Yassine, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La question que tu as dû me poser, c'était la même question que l'Ukht posait. Oui. Bissam, je vais dire un message. Dédéirine, malich. Oui, je vous en prie, allez-y, okay. Yassine. Parce que je n'ai le bel qui m'a fait depuis longtemps, longtemps, on a nous dorbons, mais je vous crois que le fait de l'Algérie. On m'a pas d'arnage. Enfin, donc, voilà, il a dit un message de l'Askar de l'Algérie ou le Chorpe de l'Algérie, mais je ne للناس كيما انت وانا ميرسي ميرسي مبروك ميرسي ميرسي انا ميرسي ياسين جو دير انا مبروك دو سيتيف كي رابيل جو كرو مبروك اون لا كوب ميتر احمد لي جون بونس ان بو اي بوز لا ميم كيسيون كو سيل كو جي فوز اي بوزي سعاد و ياسين. Ils disent non, les avocats ont un rôle à jouer, ils ne peuvent pas dire non, non, ce n'est pas notre rôle, nous, on ne peut pas faire ça, nous, on est des avocats. Les gens considèrent, à juste titre, beaucoup de gens considèrent, pourquoi ils considèrent que les avocats ont un rôle à jouer? Parce qu'ils respectent les avocats. Parce que dans tout le corps de la justice, aux yeux des citoyens, les avocats sont les auxiliaires, j'allais dire, de la justice les plus honorables, les plus respectés, les plus proches du peuple, ceux qui le défendent, ceux qui sont à l'avant-garde de la lutte contre l'injustice. Et là, ils sont absents et on l'avale mal, ça. On ne se satisfait pas de la réponse qu'ils nous font, de dire, certains avocats qui disent, non, ce n'est pas notre rôle. Voilà, deux autres citoyens viennent de vous reposer la même question. C'est bien mal dit, tout à l'heure, j'ai parlé de l'œuvre du système dans le sens de la description de la société. Et là aussi, il a fait un travail considérable où il a vidé cette corporation et de sa substance en la matière. Voilà la situation. Je partage tout à fait les sentiments des intervenants et d'ailleurs, je les remercie pour ce qu'ils ont. Pour cette considération qu'ils portent sur les avocats et leur corporation. Mais malheureusement, la corporation d'avocats, il faut le dire, ne joue pas son rôle comme il doit, alors qu'on a normalement on a des possibilités, on a même la loi nous permet de le faire. Même la loi, je reviens toujours à ce fameux article 2 de la loi régissant la profession d'avocat, pour défendre les libertés, c'est quelque chose. Et les principes de droit, c'est une lourde tâche qui est placée sur nos épaules. Je ne sais pas comment. On n'est pas sensibilisé au stade où on doit justement jouer un rôle important dans notre société. Nous allons reprendre d'autres questions. Nous allons reprendre d'autres interventions. Hakim de Bjaïa. Allô, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alam bik, c'est Hakim. بعطر الله شفتها خليفة يعني عبد الهوم الخليفة اللي رسبونساب اللي قاعد صدر هو الأول مسؤول صدر وعلاش ما ينطق ينصيني كروستك على صغار فرق صغار تكره يجيبها الدماري شو كروات أنا حبيت نسهب بنيك ستن سيناريو شو المسرحية المسرحية كي تبريباري مسرحية تريبيتي ميرسي ميرسي حاكم دبجايا
Il y a Souad de France qui vient de rappeler. Souad, je vous en prie. Oui, monsieur Benchenouf. Moi, ce que je dis, c'est que finalement, cette corporation, elle est complètement... je parle de la corporation judiciaire, hein, c'est-à-dire avec ses avocats, avec tout, enfin, ses magistrats. Les magistrats, c'est des fonctionnaires, entre guillemets, nommés par décret, donc nommés par le clan, hein. Parce que je ne reconnais pas ni le régime, ni le système. Nous n'avons ni régime, ni système économique, ni politique, ni rien du tout. Donc, chaque clan gère la maison Algérie comme il entend. Le Khalifa, c'est une histoire qui passe et point barre, quoi. Ben, c'est de la poudre aux yeux pour les Algériens. Et je crois que le premier rôle, quand même, il incombe la responsabilité, incombe aux avocats. Merci Souad. Merci Souad. Maître Amin vous a répondu, il vous a donné raison. Il pense que oui, vous avez raison, les avocats doivent jouer un autre rôle que celui qu'ils sont en train de jouer maintenant. Mais il semble nous dire, sans le dire vraiment, que dans la corporation des avocats, tout le monde n'est pas du même avis. Hamid de France. Et ce sera le dernier appel. Ensuite, nous laisserons la parole de la fin à Maître Hamid. Hamid de France. Allô ? Oui, Hamid, je vous entends. Vous m'entendez ? On vous entend, Hamid. D'accord. Ouais, juste, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord. Donc, le califa, il avait apparemment beaucoup d'argent. Allô ? Oui, on vous entend, poursuivez. D'accord. Donc, il avait beaucoup d'argent, donc soit en Algérie, soit en France, soit partout. Donc, la question, donc c'est bien de le juger si elle a fait des bêtises, mais ils sont tous ces argents, l'argent qu'il a vu, là, les phares, ils sont où? C'est ça ma question. Merci. On va donner la parole à Maître Amin. Je ne sais pas s'il va répondre sur ce volet, sur cette question. Maître Amin, il nous reste environ 2 minutes. Vous allez clore donc l'émission par votre dernière intervention. Je dois dire... cette affaire de corruption, à vrai dire, il faut voir l'ampleur de l'argent que, plutôt la richesse qui est tombée du ciel depuis quelques... Ah, il y a un souci, on a perdu Maître Amin qui est avec nous au téléphone et au Skype en même temps, on ne l'entend plus. Je suis désolé Maître Amin, on ne vous entend plus. Je suis désolé d'interrompre donc... Maître Amin, on l'a perdu au téléphone parce qu'on était avec lui en binôme, téléphone et Skype. Il semble que ça s'est coupé. Cette émission est maintenant terminée. Nous restons sur notre fin. L'affaire Khalifa continue son petit truc de chemin. On sait comment ça va finir. Probablement des lampistes vont encore payer. Les principaux responsables ne seront pas inquiétés du tout. Celui qui est le principal... accusé, Khalifa va peut-être s'en tirer avec un deal pour qu'il lui donne un minimum et qu'il laisse profiter peut-être de l'argent qu'il a planqué quelque part. Salam alaikum, qala khair, salama.